Cyprien Brun. J'ai réalisé un DUT technique de commercialisation en sport-études dans un premier temps. Et j'ai ensuite fait un DUT mesures physiques en section normale. Et j'ai enfin finalisé mes études par un diplôme d'ingénieur en électronique. L'IUT m'a apporté des connaissances pratiques et théoriques, et les connaissances pratiques sont un atout indispensable pour le monde de l'entreprise. J'ai choisi plus particulièrement le département mesures physiques, car c'est un département qui est très général d'un point de vue technique et qui m'a apporté beaucoup de connaissances. Étant originaire de la région, j'ai voulu rester près des montagnes, c'est donc pour ça que je suis resté à l'IUT d'Annecy. Alors pour vous expliquer un peu comment était l'IUT il y a 7 ans, les oscilloscopes étaient des oscilloscopes analogiques, donc des gros oscilloscopes. Les écrans plats n'étaient pas encore sur les paillasses, on avait des grands tubes cathodiques, et je vois que tout ça a évolué. Mais si le fondement, la base est là, c'est quand même important, et je pense que dans 10, 20 ou 30 ans, le matériel aura peut-être évolué, mais je pense que les bases de la physique resteront toujours les mêmes, donc ça c'est très important pour l'avenir. Si je peux vous dire quelque chose qui est plus qu'une anecdote pour moi, mais qui est très personnel, c'est que l'IUT a permis de rencontrer ma femme. Le diplôme mesures physiques est une chose très importante sur un CV et c'est très valorisant pour une entreprise. L'un des points forts de l'IUT d'Annecy, c'est l'aspect familial qu'il y a entre les professeurs et les élèves. Les professeurs sont toujours là pour aider les élèves. Les élèves sont traités comme des adultes et ils font du bon boulot. Merci encore à tout le corps enseignant de l'IUT d'Annecy. L'IUT d'Annecy, c'est 40 ans de connaissances et d'expériences partagées.